installez-vous. Hein, bon, je suis tout seul pour le moment, mais comme d'habitude, hein, ce soir, on va vivre de grandes choses tous ensemble. On va sauver le monde des Pokémon, bien évidemment. On va surtout sauver Alakazam et sa team. Comment allez-vous, les gens? Hein, je bois un coup. Bon, on a un peu de retard. On a 5 petites minutes de retard, car je n'arrivais pas à me connecter avec OBS. Écoutez, le problème est réglé. Oh, bonsoir, Pocket Short, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, je suis chaud patate. Je suis chaud bouillon. Et j'ai bien fait d'avoir chaud. Parce que ceux qui étaient sur le stream d'hier ne sont pas sans savoir que ce soir, nous allons aller affronter Groudon. Donc, Primo Groudon, mec Garakwaza, le fameux. Hein. Alors, Groudon... qui, rappelons-le évidemment, est un Pokémon de type sol et non pas de type feu, comme je le crois à chaque fois. Hein. À chaque fois, je me dis, putain, je vais me faire bolos. Mais non, ça fait partie des rares Pokémon du jeu. Les rares, le peu qui existe, où, en tant que boss, je ne me fais pas full bolos avec un Pokémon de type plante. Et ça, ça fait du bien, parce que putain, le type plante dans le jeu... On passe notre temps à se prendre des torgnoles, quoi. On se prend des fessées, ça s'arrête pas. C'est insupportable. Moi, j'aime pas trop me prendre des fessées. Avoir un team plant, c'est pas le fun. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Connaissez-vous Twitch Prime? Parfait, avec un Pokémon plante. Oui, bah, au moins, un moment dans le jeu où ça l'est, quoi. En tout cas, lundi, tu vas pouvoir streamer plutôt sans crainte. Ouais, enfin, Capola, justement, moi, parlons-en, Macron. Écoute, Macron, t'es bien gentil, Macron, mais les McDo, il faut fermer les McDo. Macron, ferme les McDo, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi les écoles et les McDo, alors? T'y penses au McDo? Surtout que c'est ridicule. Parce que Macron, il fait quoi? Attendez, j'ai un cheveu dans l'œil, c'est terrible. Il fait quoi? Il ferme les écoles. Macron, il ferme les écoles. Et il dit, oui, les enfants, restez chez vous. Macron, tu crois vraiment que les enfants, ils vont rester chez eux? Les enfants, ils vont tous aller au McDo lundi? Mais parce que ça, je connais cette manière de penser. Hein. Je suis passé par là, moi aussi. Quand on est à l'école, que voilà, ça fait chier. Et qu'un jour, t'as pas d'école. Qu'est-ce que tu fais? Hein, laissez-moi vous poser la question. Un jour où t'as pas école, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, t'as envie de fêter ça. Comment tu fêtes ça? Tu sors dehors avec tes amis et tu vas au McDo. T'as envie de manger du sale dans ces cas-là. Tu manges pas du Japanese restaurant. Tu manges du sale lundi au McDo. Je peux vous assurer qu'il va y avoir du monde. Hein. Il va y avoir beaucoup de monde. Parce que bah, tous les enfants, ils vont se dire, on veut manger du McDo pour fêter de pas être en cours. Et voilà. Hein. Alors qu'ils sont censés être chez eux, mais ça, c'est autre chose. Moi, je resterai chez moi, le McDo, c'est trop loin. Bah, faut Uber Eats, dans ce cas. Hein. Uber Eats. Ça a vu le speech de Macron. Bah, en vrai, Mika, figure-toi que je ne l'ai même pas vu. J'ai juste... J'ai pris, voilà, je me suis installé dans mon fauteuil, comme ça. J'ai pris un petit café. Imaginez que je tiens une tasse. Je tiens pas de tasse, mais imaginez que je tiens une tasse. Et j'ai regardé Twitter, j'ai regardé mon fil d'actualité, j'ai fait... Eh bien, regardons ce qu'annonce Macron. Et par rapport aux réactions des gens sur Twitter, quand je les ai tous vus crier des « Yes !»« Oui, trop cool !» Je me suis dit « On travaille pas, on travaille pas, on travaille pas !» Et là, j'ai vu tout le monde dire « Y'a pas école, y'a pas école !» Et moi, j'étais... Mais je suis plus à l'école. Moi, je suis plus à l'école. Macron, moi j'ai arrêté l'école. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne m'aide pas, moi. Oh, Macron. En vrai, moi, c'est plus le coup de LOL. Les opérations non urgentes seront annulées qui m'a bien fait chier. Je suis trop loin pour Uber Eats. Arrête avec ta logique parisienne. En vrai, moi, ça fait pas longtemps que il y en a chez moi, donc... Salut, Flamby. Ce qu'ils savent pas encore, c'est qu'ils perdent maintenant. Ils vont les rattraper pendant les grandes vacances. MDR. Tu penses? T'es abonné qu'à des mineurs. Bah, faut croire. Hein. Faut croire que oui, c'est le cas. Et ça m'emmerde. Hein. Mais alors là, les youtubeurs qui font des vidéos sur YouTube, oh, ils sont... Pour eux, c'est comme si c'était déjà les grandes vacances. Donc autant dire que là, on va avoir un amas de vidéos qui va popper sur Internet. Je pense qu'il y aura des cours en ligne, mais en place. Sinon, bonsoir. Bonsoir, Dino, je pense. Bon, on verra bien, hein, tout ça. C'est bon, t'as tout ce qu'il te faut. Ah oui, c'est vrai qu'on devait aller affronter l'autre, là. On devait aller affronter Groudon, justement. On doit aller dans son donjon. Alors moi, ce que je vais faire, c'est clairement... je vais aller dans son donjon quasiment nu. C'est-à-dire que je vais pas prendre... je vais pas prendre d'objets parce que... En fait, le donjon de Groudon, il est en deux parties. Comme quasiment tous les donjons de boss. Et du coup,
autant y aller avec quasiment rien. Peut-être qu'on va perdre, mais c'est pas grave, parce que même si on perd, eh ben, on y retourne et on recommence. Et quand on arrive à la moitié, au moment où il y a genre plus que 5 ou 6 étages, là, on prend les résugraines, on prend les objets, et on va affronter Groudon en mode like a boss, quoi. Et on le bolosse, hein, surtout. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour le bolosser. Hein. Ça, quel plaisir, Macron. Bonsoir, bonsoir, c'est Adjin. Mais non, mais il n'y a pas de plaisir, moi je suis plus à l'école. Oh là là, les gars, vous êtes égoïste, hein, vous pensez qu'à vous. Enfin, comme dit Noé, ils auront des cours par le net. Bah déjà, c'est sûr que c'est à eux de s'autogérer aussi. Hein. Ils vont sûrement devoir s'autogérer pour gérer les concours et compagnie. Parce que je pense qu'ils en auront quand même. Je sais pas, j'ai vu des messages passer en mode « Oui, ils vont annuler les concours. » Je sais pas, ça, franchement. J'en sais rien. De toute façon, j'ai pas radé l'annonce. l'annonce, on dirait qu'on parle d'un Nintendo Direct. Les facs sont fermées, non, je crois, d'ailleurs. J'hésite beaucoup à faire des réserves, déjà. Ah ouais, ouais bah, moi, ouais, j'attends de voir. Mais du coup, les CFA, ça se passe comment? Bah c'est une bonne question, Flamby. Parce que bah, ce qui est sûr, c'est que la partie étudiante du CFA, vous irez pas en cours. Mais pour la partie travail, peut-être que vous irez. Bref, les étudiants devant s'autogérer. Bref, allons-y. Ne perdons pas de temps. Bon, j'ai quelques objets sur moi, mais c'est pas grave. On devrait s'en sortir quand même. Et puis, on va affronter Groudon. Hein, et on va le bolos, clairement. Ah, attendez, il y a une scène. Il se passe un truc. Il se passe quelque chose. Ça recommence. C'est encore ce rêve. Garde-voir. Garde-voir ? C'est demain que tu t'aventures dans le donjon souterrain, n'est-ce pas ? Oui. Il paraît que c'est un endroit terrifiant. Tain, garde-voir, c'est devenu mon ami imaginaire, quoi. C'est devenu mon putain d'ami imaginaire. J'espère que tout se passera bien. Oui, ne t'en fais pas. Tu atteindras ton objectif, c'est certain. Garde-voir. Tu as ton mot soutien. Tu n'auras qu'à faire de ton mieux. Merci, c'est gentil. Ça m'a redonné un peu de courage. Je vais y arriver. Ah oui, parce que je n'en avais pas avant. Hein. C'est bien connu. Le discours de Macron m'a sauvé. Au fait, garde-voir, je voulais te demander. Est-ce que tu connais ce donjon souterrain? Ou bien Groudon? Non, pardonne-moi. Ah, dommage. Je pensais que tu avais peut-être quelque chose, vu comment tu en parlais. Non, je voulais seulement mieux t'encourager. Pardon. Non, non, c'est pas grave. C'est gentil à toi de m'encourager. Merci beaucoup. Cependant, il y a une chose que je sais. Oui ? Ton rôle, il touche à sa fin, petit à petit. Ça veut dire qu'on se rapproche de la fin du jeu. Et c'est vrai que normalement, on n'en est plus très loin. Là, en vrai, je dirais, on a ce stream ce soir, suite demain. Je pense on termine le jeu. Ah, quoi que demain, je sais pas si je vais liver. Comme demain, je finis tard de travailler. Il y aura peut-être pas de live demain. Peut-être, à moins que si je le commence plus tard. On verra. Mais là, le prochain stream, je pense qu'on termine le jeu, pas ce soir. Mon rôle touche à sa fin ? Tu as été transformé en Pokémon dans un but bien précis. C'est pour cela que tu es ici parmi nous. Et maintenant, ce rôle, tu es sur le point de le remplir. J'ai tellement hâte de revoir la fin du jeu. Garde-voir, dis-moi. Quel est ce rôle? Pourquoi j'ai été transformé en Pokémon? Chaque chose en son temps. Je pourrais tout te dire quand cette aventure sera terminée. Au revoir. Au revoir, garde-voir. Je vais pleurer, moi. Moi, je suis quelqu'un de sensible. Hein. Ah, vous savez, là, je... Ouh, je vais pleurer. Tous les autres pays où les écoles ferment, ils ont des cours en ligne, donc la France devrait faire la même chose. Les élèves ont qu'à apprendre à se gérer. MDR et les gosses vont tellement faire nimp, vu comment ils sont éduqués en France. Mais moi, en vrai, je pense réellement que tous les gosses qui vont pas aller en cours, ils vont sortir dehors. Hein. Genre, on leur annule les cours, mais il faut se dire une chose, c'est que pour moi, ils vont aller dehors, ils vont s'éclater entre potes. Enfin, je pense vraiment pas qu'ils vont rester enfermés chez eux. Du coup, en soi... Bah de fermer les écoles, ok ils vont pas être rassemblés en un endroit, mais ils vont être quand même éparpillés partout dans tout Paris, et du coup ils peuvent quand même transmettre les maladies s'ils l'ont. C'est ça le... voilà, bon bref, au final, bon, je sais pas si ça change grand chose, mais... Faut juste que, encore une fois, hein, faut que les gens comprennent que le coronavirus, ce qui est vraiment dangereux, c'est pas tant le fait que eux puissent l'avoir, c'est le fait que eux puissent le transmettre, et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Hein. Que ceux qui sont en bonne santé, bah ils craignent pas grand chose en vrai, c'est les personnes âgées, les personnes en mauvaise santé qui eux sont en danger, et nous, personnes en bonne santé, quand on se déplace, on a possiblement la possibilité de redonner la maladie qu'on a peut-être sans le savoir, parce qu'on a possiblement pas de symptômes vu que justement on va bien, à des gens qui eux, pour qui eux ce serait vraiment grave de la choper. Et c'est à ça qu'on pense pas, on est en mode oh, coronavirus, MDR, on s'en branle, ils exagèrent. Bah oui, mais bah, les gens comprennent pas en fait, c'est pas nous qui sommes en danger, c'est les personnes âgées, les personnes qui... Il y a vraiment des personnes qui peuvent en mourir, c'est ça qu'il faut se dire, mais bon. Perso, en tant que Weeb, rester enfermé me dérange absolument pas. Les flips pour rien, ça va finir comme le 4 chez les Asiates. Le 4 ?
C'est le grand jour. Allons sauver l'équipe de la Kazam. Bon, avançons dans le jeu, hein, parce que là, on vous parlait de choses. Et oh, 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 là, on est dans le monde des Pokémon, ok? On n'est pas avec vos problèmes de la vraie vie. On est des Pokémon. L'air de voir. Elle a dit qu'elle me raconterait tout quand cette aventure sera terminée. Aller sous terre, c'était de ça dont t'as parlé? Ah oui, d'accord, le 4, le signe. Peut-être qu'elle me racontera tout si on sauve la Kazam. Allô? T'es pas encore bien réveillé? Allez hop, allons-y. Oui, du coup, partons à l'aventure, les amis. Hein, il est temps d'aller sauver à la Kazam et ses potos. N'empêche, c'est rigolo, hein, parce que dans les Pokémon qui ont été envoyés pour sauver à la Kazam, t'avais des Pokémon qui étaient vraiment résistants à des vrais trucs qui étaient dans la mine, quoi. Là, on envoie un vieux Bulbizarre et un vieux Hérissandre pour tout faire. Bon, écoutez, les gars, excusez-moi, mais moi, je serais pas serein à votre place. Hein. Du coup, Spectaculos, qui est toujours fidèle au poste, hein, toujours à nous aider. Est-ce qu'on la remplacerait pas par quelqu'un d'autre? Groudon, il est juste seul ou il est seul quelque chose d'autre? Je sais pas du tout. C'est qui le plus haut niveau qu'on a là? Il y a... Putain, un mystère niveau 25. Ça va, il se met bien, lui, hein. Kikuki, Chizu... Ah, attendez, il y a du niveau 30, là. Lucky. Lucky. Absol. Sol pur. Ah oui, il est juste sol. Ah... Ah non, bah, mais c'est vraiment... En fait, il y a vraiment un type de merde, Groudon. Sol feu MDR. Ah bon? Non, non, il est sol pur, justement, parce qu'on m'avait dit que je craignais rien. Sol feu, c'est uniquement Primo... Primo Groudon. du coup, il craint l'eau, la fois il craint plein de trucs, mais putain. En tout cas, un Pokémon électrique, c'est peut-être pas le bon plan. Putain, j'ai pas de Pokémon eau. Je me rends compte. J'ai aucun Pokémon eau dans ma team, quoi. Ah ouais, on est comme ça. Bah tant pis. Hein. Du coup, un Pokémon plante... Tintin? Bah Tintin? Ah non, il est insecte, je confonds insecte et plante. Canartichaud, Miku, on voit les vrais. Ouais, on voit les Weeb, on voit les puceaux, on voit les... J'avais souvenir quand j'avais Ruby Omega. Ruby Hommage. Ouais non, Hommage c'est quelqu'un d'autre, hein, c'est pas Ruby Hommage. Bon écoutez, je vais pas me prendre la tête. On va mettre Abizobi. Voilà, t'as quand même Spectaculos remplacé par Abby. Alors ça c'est la fin d'un mythe. Hein. Qui Abby? Mon Misterbe. J'aurais dû l'appeler DeviantArt. Pour ceux qui étaient là pendant la grande anecdote de DeviantArt. Allons-y, hein. Perdons pas de temps. Prends mon Monkeyzer. C'est qui mon Monkeyzer déjà? Ah, Monk Eater! Ah bah trop tard. Mais c'est vrai que j'aurais pu le prendre. Nous y voilà. Groudon se trouve dans cette entre souterraine. Wouah, regarde ces coulées de lave. Il doit faire une de ses chaleurs là-dedans. D'autres équipes de secours doivent déjà se trouver là-bas. Allez, c'est parti, accrochons-nous. Mystère 78 qui nous rejoint ce soir. Ah, ça, le... bon mois du passé. Hein. Oh, Yensei, les CT. Oui, oui, c'est quoi? Voile aurore? C'est un truc de soin, ça, non? Bandana zinc. Zinc ou zinc? Je crois que c'est zinc. Oh, vous allez encore me juger parce que je dis pas bien les choses, là. Un piège fin. Oh mais non. Prends un sablette. Ce serait stylé d'avoir un sablette. On vend des maisons aux monstres. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Django? Je comprends pas ce que tu dis. C'est vrai qu'on n'a pas vu une seule maison de monstres depuis le début du jeu. Par contre, ça, c'est bizarre. Parce qu'à l'époque où j'avais fait le jeu sur DS, bah, j'en voyais pas mal quand même. Là, littéralement, depuis le début du jeu, on en a vu aucune. Mais vraiment, ce qui se rapproche le plus d'une maison de monstres, c'est nous. C'est bizarre. Oh, trop bien, Sablette. Sablette, mon Pokémon préféré. Mais Sablette, putain, mais en plus, j'allais le dire, hein, Sablette, c'est le Pokémon de Glissey. Mais attends, mais Glissey, il est pas là depuis le début. Ça fait au moins 20 lives qu'il est pas venu. Il y a un Sablette qui pop, le mec il est là quoi. Ah mais lui, il perd pas le nord. Hein. Monsieur Glissey. Oh. Un Pokémon à qui donner une pomme. Et vous savez quoi? J'ai des pommes. Donc on va aller l'aider. Oh non, il s'est fait empoisonner ça. Bon. La pire c'est que ça fait depuis deux sucks que je suis là. Ah oui, c'est vraiment terrifiant. Mais ils font quoi là mes Pokémon? Ils font des trucs bizarres. Sablette l'a ressuscité. Ah, il a redonné vie à Glissey. Cotovol. Oh, Cotovol. Il veut se joindre à nous? Bah, vas-y, hein, viens, Cotovol. Par contre, un petit Cotovol dans ce donjon, je le sens pas trop. Hein. Mais tu sais que Pokémon, c'est pas mon dada. Jeu de mots, car c'est toi mon dada.
Glissi, je vais rougir. Ah, Baka, Glissi. Ah, mon Aibo. Eh oh! Ah, ce serait stylé d'avoir séisme dans le jeu, en vrai, j'y pense. Attends, mais en vrai... Bulbizarre, il peut la prendre? Je crois que... Oui, je pense qu'il peut la prendre. Bah oui, logiquement, on pourra la prendre, nous. En fait, putain, eh, quand on aura terminé le jeu... Enfin, si j'y joue encore beaucoup, j'essaierai de me créer un Pokémon avec des bonnes techniques. Genre, je pense séisme, ça pourrait être pas mal. Parce que séisme, ça touche tous les Pokémon autour de nous. Donc en vrai, c'est super pété dans ce jeu, séisme. Comme dans le jeu de base, vous allez me dire. Ah non! Comment tu vas, mon bon Glissi? Glissi, il est revenu de parmi les morts. Il avait plus de PC, mais là, il est de retour. Typhlosion peut apprendre séisme et point éclair. Après, je pense pas que ce soit utile que les deux Pokémon aient séisme. En fait, faudra regarder qui tape plus dans le physique, qui tape plus dans le spécial, dans quoi ils sont forts. Parce que ça, j'avoue que j'en ai aucune idée de tête. Mais on essaiera hein, de gérer nos Pokémon comme il faut, même si bon... J'avoue que c'est pas le genre de truc que je prends au sérieux d'habitude. Hein. En vrai, je m'en fiche un peu. Ah, c'est vrai que j'ai synthèse. Oh là là, je peux me soigner. Même pas peur, hein. Je suis invincible maintenant. Bulbizarre peut apprendre séisme, peut pas apprendre. Ah merde. Même pas quoi il évolue. Eh B. C'est pas une bonne nouvelle ça. Bon bah ce sera pour Typhlosion. Enfin, j'ai tellement hâte qu'on puisse évoluer, ça sera cool. Le problème c'est que quand t'évolues et que t'as accès au donjon de endgame, c'est là que le jeu devient vraiment sale avec toi. Parce qu'en endgame, il y a vraiment des donjons qui sont crado pour le joueur. Quoi. En tout cas, à l'époque de la GBA et de la DS, c'était le cas. Hein. Genre, il y avait un... Je sais plus c'était quel donjon. Il y avait un donjon qui te ramenait niveau 1. Mais c'était pas un donjon pour un légendaire, ça, je sais plus du tout. Mais putain, l'horreur, quoi. Redevenir niveau 1 pour un donjon, c'est pas fun. Hein. Ouh. Ça se passe plutôt... Oh là. J'allais dire ça se passe plutôt bien pour le moment. En vrai, on s'en sort, mais j'ai quand même l'impression que j'ai une mini, un mini manque de level par rapport aux ennemis. Parce qu'ils me font quand même assez mal. Hein. On va faire attention et ça devrait bien se passer. Mais attendez que j'essaie de me souvenir, la première fois que j'ai fait le jeu, j'avais Salamèche et Carapuce. Du coup, dans ce donjon, il m'a... En vrai, ce donjon, c'est pas un des plus simples du jeu dans l'histoire principale, mais c'est pour autant, c'en est un qui m'a jamais fait spécialement chier, il me semble. Parce que... Oh, l'enculé. Oh, ils ont eu Chappy. Ils ont eu Chappy. Parce que c'est un donjon où j'ai toujours eu des Pokémon qui avaient plus ou moins des bons types contre le... Contre le... Bah, Groudon, quoi. Bulbizarre, pire choix. Oui, pire choix de starter, mais en soi, là, ce donjon, pour le coup, il n'est pas désavantageux pour nous. Mais c'est un des rares moments, quoi. Du coup, tuk, le sablette, on va le prendre parce que là, je suis un peu dans la merde. Ouais, on va aller chercher le Starry. Oh, faut que je fasse attention au Pokémon qu'on séisme. Donc, déjà, on sait que sablette là, oula, donc il peut être très dangereux. Il me fait un peu peur, hein. On a vu le résultat, ça a bien bolos ma team là. Allez, faut au moins survivre jusqu'à la moitié. Je sais pas combien d'étages il y a avant la moitié du donjon. Mais on verra bien, écoutez. Allez, une grosse pomme. Je sacrifie quand même une grosse pomme pour lui. Hein, en vrai, c'est pas très rentable, mais bon. Ok, lui, il va de la mer prospérité que je n'ai pas. Tant pis. Tant pis pour la mère prospérité. Par contre, Boléro du Feu, il joue aussi au jeu et il a dit que les compétences Grouton, ou je ne sais pas quoi, qui fait le même, une petite baie, te donne toute ton faim. Quoi? Mec, j'ai rien compris à ton message.
De toute façon, je t'avoue que moi, les compétences, je... Salut Daichamp. Les compétences, je fais pas trop attention. Je joue en mode no stress parce que ça me prend la tête de... Moi, dans les jeux vidéo, vraiment, regarder chaque personnage, ce qu'il peut faire, à quoi il a accès. C'est des choses qui m'ennuient un peu. Donc, je préfère jouer YOLO. Putain, l'enculé. Je préfère vraiment jouer en mode YOLO et ne pas me soucier de ce genre de... Mec, je ne sais pas écrire, c'est mort. Je préfère pas me soucier de ce genre de choses. Glouton, je pense. Ouais, je sais pas trop. Il m'a perdu, moi, la Glissi. Ok. Chaque passé car je suis en train de parer prêt. Ah, pas de problème. Bon courage, Daishan. Oh non, il y a un Pokémon qui les attaque. Et ça te rend toute ta fatigue si tu manges une petite baie ou un truc dans le genre. Ah, d'accord. J'ai l'impression de devenir Capola. Oh, c'est méchant. Pauvre Capola, c'est méchant. Mais il est complètement con, Cotovol. Il a été de la lave. Mais non, mais attends, mais. Faut... Voilà, faut qu'il sorte de la lave d'abord, ce débile. Oh putain. Oui, mais soigne-le si tu veux, si tu veux. Non. Oh, il est mort. Ah bah alors, mais Starry complètement inutile, quoi. Je pense qu'il avait pas d'attaque haut. Parce que c'est bizarre qu'il fasse météore sur un Pokémon sol. A mon avis, il avait pas d'attaque haut, ce débile. Tain, donc en vrai, il était vraiment inutile, quoi, le Starry. Son seul intérêt n'était pas présent, quoi. Franchement, Glissi, t'es à deux doigts d'être un pigeon. De rien, j'ai appris à traduire les gens en phase de fatigue orthographique. Ouais, je vois ça. Oula. Oh, il est trop relou. Putain, c'est la merde un peu là en fait. Alors, je voulais pas aller à droite, je vous rassure. Oh putain. Oh là là, tout le monde meurt petit à petit. C'est la fin, les amis. C'est bon, Cotovol, Cotovol il gère. On est à l'étage 6. Oh merde. Alors là, je suis dans la merde. Là, j'ai clairement besoin d'une pomme. Mais je crois que je n'en ai plus sur moi. Ouais, j'en ai pas du tout. Ah, je suis dans la merde. Hein. Dazer, Emma, qu'est-ce qui se passe, Emma? Dis-moi tout. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, Emma? Tu veux un bisou? C'est ça que tu veux? Tu veux un bisou? Non, tu veux pas un bisou? Dommage. Oh, les Nostanfer, ils sont terribles dans ce donjon là. Oh non. Alors là, je suis dans la merde. Alors là, je suis clairement dans la merde. J'ai plus de nourriture. Ah bah c'est en même temps, c'était foutu hein. Donc non, bah tant pis, on est mort. C'est pas grave. Ah oui, on abandonne. Oh, c'est dommage. Alors le discours de Macron, bah le discours de Macron, je sais que moi je vais travailler lundi, donc ça bah, le discours de Macron, il m'attriste hein. Il m'attriste beaucoup. Bon, on s'est fait bolos. Mais au moment où le Sablette a niqué Chappie, eh ben je me suis dit, oula, ça tourne mal. C'est pas grave, on va y retourner. On aura accumulé de l'expérience après cette... Oh, j'ai bossé demain, moi, je dois dire quoi? Bah oui, mais Mika, toi, c'est normal, tu n'es pas moi. L'ego du gars. Tu vas travailler, mais tu auras ton salaire. Oui, certes, certes. Allez, on y va. Du coup, ouais, bon, clairement, Abizobi, là, c'est pas le top. Hein. En plus, il avait les mêmes types que moi. Vous m'aviez conseillé Monkey Eater. Ouais, mais Monkey Eater, en vrai, j'aime pas Pifeuille. C'est vraiment un Pokémon que j'ai jamais aimé, Pifeuille. Absol, c'est vrai qu'il est au niveau. Mais attends, il est quel type, Absol? Je sais plus, c'est Ténèbres, ça? Là, ça, Ténèbres. Oh, mais Ténèbres, tu sais en quoi ça me serait utile, contre moi. Bon, vas-y, on va se dire, va pour Monkey Eater. Semaine prochaine, je serai toute une semaine en télétravail. Oh, la chance. Enfin, la chance, quoi, qu'en vrai, pas top. Hein. Parce que le télétravail, t'es vite perturbé par bah, tout ce qui t'entoure. T'as pas un type... Oh, non, j'en ai pas du tout, Flambine. Moi, j'ai demain la réponse, sort. Comment le boulot? On va peut-être fermer, mais il y a très peu de risques, je pense. En Terra, il vole.
Il vole et alors ? Ça change quoi le fait qu'il puisse voler ? Je m'en fiche, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait... Attends, parce que le type vol, c'est pas du tout des dégâts au type sol. C'est pas... Je m'en fiche. Pourquoi tu veux que je prenne Ptera ? Ah non, il est roche ! Roche, ça fait des dégâts à sol ? Je sais plus, ça. Alors ça, vous voyez, c'est des détails... Non, mais c'est pas grave, on y va avec Pifeuil. En fait, j'arrive plutôt bien à me concentrer. Ah ouais, putain, t'es balèze, hein. Ah oui, pour les séismes. Ah oui, bon, c'est des détails, ça. Des détails. Moi, rien que quand je dois faire des montages, Emma. Mec, mais vraiment. Les montages. En fait, dès que j'ai besoin... Quand je suis sur la piste de montage, ça va. Mais dès que j'ai besoin d'aller chercher un élément sur Internet... Alors là, c'est fini, hein, vous me perdez pendant 10 minutes. Et du coup... Pendant un montage, souvent je perds beaucoup de temps des fois à chercher des éléments sur internet. Mais des fois c'est même pas de temps parce que je divague sur internet, c'est juste parce que bah pour trouver ce que tu cherches des fois c'est chiant quoi. Genre quand t'as envie de trouver une musique et que tu te dis non mais là c'est pas bien, il faut trouver un truc qui colle. Putain, des fois tu passes des heures juste pour trouver une musique adéquate à tes montages, c'est chiant ça. Je crois que c'est le truc le plus chiant. Moi dans mes montages sur YouTube, ce que je préfère musicalement parlant, c'est d'essayer de prendre des musiques qu'on n'entend pas partout, parce que putain, ça c'est le truc le plus insupportable au monde, mais les youtubeurs, ils ont tout le temps cette même putain de manie de prendre tous les mêmes putains de musiques libres de droit. Alors écoutez, quand t'écoutes une vidéo sur des mangas, entendre la même musique de Tapion que tout le monde, bah bon elle est bien cette musique, mais à un moment t'en as un peu ras le cul d'entendre Tapion. les mecs, arrêtez de prendre la musique de Tapion bordel, bon, en vrai ils se sont calmés. Mais à une époque putain c'était la musique de Tapion partout. Hein. Tapion, pouh. Il connaît pas. Hein. Plus ça tombe à pic parce que j'ai plein de trucs sur le côté donc je vais pouvoir tout clôturer. Oh Emma. Emma là il est productif. Ce qui n'est pas mon cas. Oh, oh non. Parfait. Et sous qu'elle n'est même pas libre de droit la musique de Tapion. Ah ouais. Donc c'est d'autant plus bizarre que tout le monde l'utilise. Non mais c'est juste que les gens l'aiment bien. Moi j'avoue que niveau musique libre de droit je me fais jamais spécialement chier parce qu'en vrai, en règle générale si tu mets une musique de jeu vidéo, bah t'as pas le compositeur qui va venir te casser les couilles quoi, les gens s'en foutent. Donc je suis un peu yolo à ce niveau là. Moi les musiques ça c'est pas ce qui me fait peur. Par contre dès que tu commences à mettre des musiques chantées là c'est chiant parce que là par contre YouTube il est en mode non non non. Elle est sur SoundCloud la cover, ah ouais. Oh là là. Putain mais cette musique n'empêche elle a dû être tellement écoutée vu comment tout le monde l'a pris à gauche à droite. Bah triste pour l'auteur. Hein. En vrai la musique de Zapion est bien, c'est vrai qu'elle est très bien. Oh putain on a eu de la chance. Yes on s'en sort bien. Oh petit sablette. On va le tuer hein. On va le tuer le sablette. Eh y'a des gros Pokémon ici n'empêche hein. Oh mais ils me font tellement mal. Non. Oh zut. Faudra peut-être que je prenne au moins une résugraine histoire d'être tranquille. Au moins une. Pour faire le chemin jusqu'à l'étage où on a la séparation des deux parties du donjon. Mais j'avoue que j'ai un peu la flemme. Moi j'aime bien y aller YOLO. Moi je suis un homme YOLO. Ah, attendez, c'est quoi? Perso maintenant j'identifie la musique Tapion au chef Otaku. Ouais c'est vrai que mais le chef Otaku, c'est terrible parce que lui, dès... S'il te plaît, attaque-le lui, voilà. Dès qu'il trouve une musique... qui met dans une vidéo, putain il va la mettre dans toutes ses putains de vidéos et là c'est insupportable. D'ailleurs la musique qu'il utilise en ce moment dans toutes ses vidéos je la trouve ultra angoissante. Avis personnel, prenez-le comme vous voulez. Aïe. Ah, ils sont balèzes ici les pokés. Hein. En une attaque il m'enlève la moitié de ma barre de vie. Donc en réalité faudrait que j'aille au... Ah mais non mais viens là toi. Faudrait que j'aille au comment s'appelle au camp à Makuhita. En plus j'ai pas mal de tickets. Je pourrais vraiment bien monter là, mais oh j'ai la flemme aussi. Hein. Toi j'ai pas de truc. Non j'ai pas de pomme je crois. Ah non.
Ampleur. Mais waouh, Ampleur, c'est insane. En fait, c'est terrible, mais juste à cause des Pokémon qui ont Ampleur, je vais être obligé de venir avec des Résugrenes. Hein. Parce que là, je peux vraiment rien y faire, quoi. C'est imprévisible. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas imprévisible quand les Pokémon sont là. Ouais, mais je peux rien y faire, en vrai. Vous savez quoi? Ok. J'ai pas le choix, je vais aller monter d'un ou deux niveaux. Ça va pas changer la donne, mais ce sera déjà ça. Genre le gros Taku qui a fait une vidéo sur le buzz d'un tweet pour pas changer. Oui, je me suis dit, putain, il est vraiment en manque de sujet pour en arriver à faire une vidéo sur... sur un truc Twitter, quoi. Ça m'a étonné, en vrai, qu'il en arrive à faire ça. Après, il fait ce qu'il veut, hein, c'est... du coup, clac, 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 clac. Et mais eux, ils sont censés aller sauver les autres, retourner dans l'équipe, enfin, dans le donjon, ils s'en foutent. Bon, monsieur Makuhita, entraînement assidu. Ou tu fais comme a dit Django, tu prends le type vol car ils sont sensibles au sable. Ouais, mais le problème, c'est que j'en aurais qu'un seul, quoi. J'en aurais pas... Genre, pour autant, Chapi et moi, on se fera quand même tuer en un coup. Et ça, ça changera pas. Mais ouais, je vais prendre Terra. Ce sera déjà ça de gagner. Mais bon, il n'y aura qu'un Pokémon qui évitera ça, quoi. Ça sera mieux que rien, vous me direz. Mais... Et Krapens ? Et Krapens aussi, c'est un Pokémon qui a une VF rigolote. Hein. Je sais pas si vous voulez... Le mec, il a un accent marseillais, en fait. Il fait Krapens. Et vraiment, il a un accent du sud, le gars. Non, mais commence pas à faire des armures, toi. Oh là là, viens là. La conclusion de la vidéo, c'est que le tweet est inutile car les deux persos sont développés. Ah bah je t'avoue que j'ai pas regardé la vidéo en entier, donc tant mieux que tu me la dises. Parce que j'ai pas... Oh, oh, une maison de monstres. Mais c'est, en vrai, c'est trop cool qu'on en ait une ici, vu que le but c'est de les... On veut qu'on les tue en un coup et qu'il faut en tuer le plus possible. Donc en vrai là, on est bien. Tant mieux. Putain, j'en ai jamais, pour une fois que j'en ai besoin, là on est bien. Le youtubeur Fufa et les musiques de Two Step From Hell, ça fait 1. J'ai été déçu de la vidéo du chef. Ah ouais, déçu carrément. Mais après, le problème, c'est que déjà, tout dépend de ta vision de qu'est-ce qu'aperçoit des... Enfin, qu'est-ce qui définit le développement d'un personnage. En vrai, en fonction des gens, ça change un peu le sens de qu'est-ce qui définit le développement d'un personnage. Donc à partir de là... Mais c'est vrai qu'après, en même temps, rien que quand tu parles de développement de personnage, bah, c'est vrai que si tu précises pas d'à quel niveau tu parles, ça, c'est vague, hein. J'avoue que moi, généralement, quand je dis ça, je parle surtout de sa personnalité et ce que le personnage apporte à l'œuvre. Plus que... Si je parle du développement d'un personnage, j'irai jamais parler de sa puissance dans l'œuvre qui évolue. Ça, je m'en bats les couilles. Moi, j'estime pas que ça fait partie du développement du personnage. Mais il y a des gens pour qui si. Parce qu'en fait, c'est simple, dans une œuvre, un personnage, en tout cas dans une œuvre shonen, hein, vu que là, il parlait de shonen, un personnage est obligé de devenir plus puissant, donc ce serait ridicule de prendre ça en compte dans le développement du personnage. Enfin, après, vous voyez comme quoi c'est la vision de chacun. Hein. Moi, je m'en fiche. Bah, le chef, il lit sa vidéo, mais genre, Luffy, il a toujours eu la même vision du monde, etc. Alors que Vegeta a fait un 180 degrés niveau vision du monde. Mais surtout, après... Tu vois, il y a aussi, est-ce qu'un personnage évolue dans l'œuvre en termes de personnalité et de ce que l'œuvre, ce qu'il apporte à l'œuvre. Mais il y a surtout, et ça c'est un élément très important, c'est est-ce que c'est bien fait. Et dans le cas de Vegeta, c'est très bien fait. Hein. C'est ça qui est fort dans Dragon Ball, c'est que le développement de Vegeta dans l'œuvre, il est vraiment bien fait, il est réussi. Et y a des œuvres où il y a des persos qui évoluent au fil de l'œuvre, c'est pas forcément bien fait. Hein. Genre, excusez-moi, mais c'est l'exemple facile à critiquer ça. Hein. Mais Sasuke... En fait, le développement de Sasuke, en lui-même, dans les faits, l'évolution, enfin, le personnage, le fait qu'il passe de A à Z n'est pas mauvais, mais c'est le cheminement pour aller de A à Z qui est mauvais. C'est mal fait, c'est ça qui est mal branlé, surtout. Voilà. Là où Toriyama, il a bien fait son coup. Avec Vegeta. Allez, on va remettre Chapi dans le donjon, parce que Chapi, elle a du mal, hein, à level up là-dedans. Qu'est-ce que ça raconte? Moi, je trouve que dans ces vidéos, le chef Otaku, il abuse trop de ses mimiques. C'est très énervant, là, le... Qu'est-ce que ça raconte? Bon, encore, le qu'est-ce que ça raconte? À la limite, pourquoi pas, mais le... Ouais... Ah, ça m'insupporte, hein. Ça, il m'insupporte quand il fait ça, parce qu'il le fait tout le temps. À un moment, arrête, putain.
Pour Luffy, il dit que sa vision ne change pas car il a déjà la bonne vision, mais qu'il aide au développement des autres et qu'on voit que sa vision du monde ne change jamais malgré les défis, ce qui est un développement en soi. Bah moi je peux pas parler de Luffy parce que bah, je connais pas assez One Piece pour ça. Autant je connais beaucoup d'éléments scénaristiques de One Piece, autant le développement de Luffy ça fait partie des choses que je peux vraiment pas en parler parce que bah, j'ai pas suivi One Piece pour pouvoir dire quoi que ce soit dessus, tu vois. Donc ça, je me permettrai pas d'en parler. Oh! Ça, je dis pas que Luffy n'a jamais eu de développement, mais Vegeta c'est flagrant et je pense qu'il est largement au-dessus de Luffy à ce niveau-là. Oui, je suis d'accord là-dessus, c'est Edgin. Moi, je, par contre, je pense aussi que Vegeta, son développement est plus fort que celui de Luffy. Du peu que je connais de One Piece, en tout cas. Bon, allez hop, on est monté de 2-3 niveaux avec les deux. On va dire que c'est bon pour le moment. Est-ce que juste au cas où je prendrais pas une Resugrain, je sais pas. Salut Sky. Oh putain, Sky Sora, ça fait longtemps. Ça nous a fait un peu de calme, c'était bien. Ah, oh, c'était gratuit, pardon Sky Sora. Pardon. Et Sumimasen. Sumimasen, oh. Allez, on va quand même prendre quelques trucs histoire d'eux. Je veux surtout dire. Mais en fait, ça me choque. Comme dans le jeu, ce remake, je trouve, il est très radin en pomme. Et puis t'as le Mont Corvo, MDR, le Mont Corvo. Ah, oh, le Mont Corvo, c'est triste quand même parce que c'est les. En fait, tu sens que c'est des gens qui sont tellement fans de One Piece qu'ils n'ont pas de limite. Et du coup, dans la communauté One Piece, je trouve qu'ils sont énormément critiqués à cause de ça. Vraiment, c'est ouf comment une grande partie des fans de One Piece se foutent un peu de leur gueule. Mais en même temps, eux, ils touchent surtout des fans de One Piece très jeunes, je trouve. C'est comme Scantrad, cela, c'est des chiants. Ah oui, mais là, on parle de team de scan. Enfin, encore que Scantrad, c'est même pas forcément... C'est vraiment une team de scan ou c'est des voleurs de team de scan, je sais pas. Allez, on prend Zorglub. Ok, bas niveau, donc Zorglub, ça va pas être la fête. Oda, respire, mon corvo jouissement. C'est plutôt représentatif, oui. Ryo Sensei, cof cof. Mario Sensei, je le connais que de nom, et j'avoue que ça m'a jamais intéressé. Et la seule fois où j'ai cliqué sur une de ses vidéos, je trouvais pas ça intéressant, donc j'ai pas... En vrai, je trouvais même pas ça agréable de l'écouter. À la limite, tu vois, en fait, c'est même pas tant est-ce que la personne dit des choses intéressantes, c'est est-ce que la personne aussi est agréable à écouter. Et Ryo Sensei, bah, c'est pas contre lui, hein, je suis pas méchant, mais... Je trouve vraiment que c'est pas agréable de l'écouter parler. Et c'est pas intéressant non plus ce qu'il dit. Autant il y a des gens, tu vois, quand ils parlent de One Piece, ils arrivent à me faire me dire, ok, c'est cool quand même. Tu vois, parce que bah déjà, ils sont intéressants quand ils parlent, et ils arrivent aussi à rendre ce qu'ils disent intéressant dans leur manière de parler. Dans le voilà. Par exemple, moi, un gars que j'aime beaucoup, c'est Goji, je crois qu'il s'appelle. Lui, vraiment, j'adore ses vidéos. Le mec qui parle de One Piece, je kiffe ses vidéos à ce mec, Goji. Je crois que c'est ça son pseudo. Hein. Je lui avais même déjà dit en commentaire un jour, je lui avais dit oui, moi j'aime pas du tout One Piece, c'est un univers dont je me contrefous, mais tes vidéos, franchement, ça fait partie des rares vidéos qui me font me dire que c'est quand même cool One Piece. Mais pas. C'est plus lui qui me fait m'intéresser à l'œuvre que l'œuvre en elle-même qui m'intéresse, vous voyez. Donc c'est pour ça que je me dis, ce mec il fait quand même des vidéos très qualitatives. Hein. Ça lui fait des bonnes vidéos. Oh putain, mais je me fais full wallos dans ce donjon. Ah, ça va être compliqué. Hein. Oh putain. Je vais prendre des Béorans. Vous savez quoi? Si je remeurs, je prendrai des Béorans. Parce que bah, c'est ça qui me manque aussi. Hein. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'idée d'en prendre. Putain, 120. Waouh, on se met bien. Attends, c'était quoi déjà le bouton? C'était A. Pour remonter ses PV, je vous le dis. Alors, qu'est-ce que vous dites? C'est la grotte de Groudon? C'est exactement ça, Emma. Là, on est de la grotte de Groudon. T'as déjà fait le jeu? C'est vrai qu'on n'a jamais parlé des donjons mystères, Emma. Oh, attendez. Mais non! Oh, il peut aller dans le feu, c'est vrai! Attends, pourquoi ça m'a brûlé, Ptera? Oh merde. Ptera, il est pas censé être brûlé dans le feu, vu qu'il vole. C'est complètement con. Il considère pas qu'il vole? C'est débile si c'est le cas. Ça existe pas, Giga Sensu, dans ce jeu? Il me semble que si, parce que je crois que je l'avais à l'époque de mon let's play sur le jeu. Sur Game Advance. Mais je crois qu'on l'a assez tard, ouais. Oh putain, alors non. Ah, s'il y a bien un donjon, faut pas que ça m'arrive, c'est ici. Alors on est pas dans la merde. Là on est dans la full merde. Hein.
Non, 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 ça reste des putes. Les quelques vidéos que j'ai regardées, il enchaîne plus de mimiques que le chef otaku. Ah ouais? Ouais, mais Adblock, Scantrat, c'est ok. Rejoins-nous, toi. Il a pas la capacité secours pur. Hein. Secours pour, hein, comme dans l'original. Oh non, il y a un Pokémon en haut. À tous les coups, ils vont tuer Ptera. On est dans la merde. Gravalanche a l'air de devoir apprécier votre équipe. Cool. Bon, là, ça va être très compliqué. Hein. Allez, Gravalanche, protège-nous. Moi, je vais vous dire, je vais rester comme une tapette ici. Hein. Je vais rester caché comme un sale lâche. Je sais pas ce qui se passe en bas. J'ose pas descendre. Ok, on s'en sort pas si mal en vrai. Alors les Nostrophes verts, ils me font très peur avec la confusion. Quoi? C'est qui l'a fait? Il est en bas à gauche. Oh l'enculé. Et allez. Ah bah là c'était sûr, à un moment on n'allait pas tenir. Hein. Bon, là on est foutu. Non mais je vais venir avec des baies. En vrai là on n'a pas eu de bol, hein, parce que se taper une maison de monstre c'est vraiment pas de bol. Hein. Tant pis. Hein. Alors on a vraiment pas eu de chance pour le coup. Hein. On n'a pas eu de chance. Tu utilises du poison sur un type poison. Alors, Saiyajin, je vais me répéter parce que tu m'as déjà posé la question. Dans ce jeu, il existe un bouton qui est le bouton A qui définit parmi tes capacités quelle est la capacité la plus utile et la plus efficace contre le Pokémon qui est en face de toi. Donc là, c'est même pas une question de est-ce que moi j'ai l'intelligence de faire la bonne technique ou pas. C'est le jeu lui-même qui définit que parmi toutes les capacités que j'ai sur mon Bulbizarre, la capacité la plus utile, c'est cette capacité-là. Donc, plains-toi au jeu, plains-toi pas à moi. Bon, par contre, on va chercher des baies cette fois. On va prendre des baies orange, ce sera plus simple, je pense. En fait, faut bien se dire une chose, faut juste que j'arrive à atteindre la seconde partie du donjon, et là, ce sera rapide. Parce que la seconde partie, il y aura quoi, 5 étages, je prendrai full résugraine, et là, on va aller bouilla Groudon. Hein. Oh, il va peut-être me faire très mal, mais ça passera normalement. Les baies oranges, je devrais en avoir quelques... Ok, ouais, 33. On va en prendre... Alors, faut pas en prendre trop non plus, parce que si je meurs, j'aurai l'air con. On va en prendre 5. Dazer a l'intelligence de laisser le jeu prendre les mauvaises décisions à sa place. Mais c'est pas moi, c'est le jeu qui définit que c'est celle-là la capacité la plus utile, alors me saoulez pas. Tu peux acheter quoi chez Keklon? On peut aller voir, hein. T'es un type plante, c'est pas ouf, et en plus tu n'as pas renommé Ptera. C'est criminel. Bah si, j'avais renommé Ptera, il s'appelait Zorglob. Hello, demande de l'aide, on vient de sauver, ça t'évite de tout perdre. C'est très gentil, Selfic, mais vu que je suis en live, en fait, le problème c'est que si je vous demande de l'aide, je vais devoir attendre que vous veniez dans le donjon, que... Enfin, en fait, tu vois, je devrais attendre et je devrais rester sur le menu en mode « Bon bah alors là, les amis, on va attendre que vous veniez... » Enfin, c'est pas con de vous, hein. En vrai, c'est très gentil. Mais bah juste, j'ai pas envie d'attendre. Déjà, est-ce que j'ai de l'argent? Parce qu'en vrai, acheter chez Keklon, c'est sympa, mais je crois pas que j'ai de la thune pour. Fulgurops permet de mettre KO tous les ennemis de la salle en un coup. Quoi? Mais c'est complètement OP. Attends, mais c'est complètement... Attends, mais quoi? Mais ça me donne l'XP ou pas? Parce qu'en fait, c'est la question, est-ce que je gagne de l'XP? Mais c'est complètement pété, ça. Une Fulgorb. Fulgurorb. On va acheter la Fulgurorb. On va l'acheter. Ça coûte que 80. Ça se trouve, j'en ai sur moi, mais bon, écoutez. De toute façon, j'ai tellement peu de thunes, là, vu que j'ai tout dépensé. Monsieur n'a pas de temps à perdre, exactement. Alors, 80. Merci. Ah, la l'huile max, mon huile préférée. Hein. Vends des trucs. Oh non, bah, en vrai, je pourrais, mais... Oh, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Moi, je suis bourrin dans le jeu. En vrai, moi, je me prends pas la tête. Clairement, je joue pas en mode je me prends la tête. Parce que... je sais qu'il n'y a pas forcément besoin de se prendre la tête dans ce jeu. Parce que il y a quand même une partie du jeu qui
est défini par l'aléatoire. En fait, t'as beau être le mieux équipé au monde, bah si t'as pas de bol dans un donjon, il y a des moments où tu pourras, quoi qu'il arrive, te faire complètement niquer. Et ça, bah des fois, t'y peux rien. En vrai, même si je voulais être optimal, faudrait que j'aille level up Zorglob. Mais vous voyez, ça aussi, j'ai la flemme. Moi, je joue nos stress. Hein. Est-ce que le violet a séisme? Le violet, attends. Ah, le Kecleon, tu voulais dire? De toute façon, j'ai pas de cul. Après, j'aurais pu regarder. Oui. Non, mais faut juste attendre le... Enfin, en tout cas, moi, je pense comme ça, mais je réussis jusqu'à... Je me dis, à un moment, ça va forcément passer, nos stress. Pour ça, moi, je suis pas stressé, hein. On est là en mode chill, on se prend pas la tête. Ah, attends, c'est qui? C'est qui nous attaque? C'est un ratatac. Salaud ratatac. Pour voir si Zorglob peut la prendre. Ah ouais, mais alors, clairement, mec, si j'avais séisme, je la prendrais pas à Zorglob, hein, ce serait du gâchis, ça. Je préférerais la garder pour plus tard. Il n'y a pas les mégas dans ce jeu? Oui, ils ont rajouté les mégas avec le remake, mais je crois que c'est que à la fin du jeu, Emma. Parce que clairement, de tout le jeu, on n'en a jamais vu, on n'a jamais expliqué comment les activer, enfin voilà. C'est pas vendu tout de suite, en fait. T'as raison, on est là pour passer un bon moment avec... Ah oui, bah voilà, on se prend pas la tête. Mais en vrai, c'est très gentil d'aider, de vouloir m'optimiser ma partie, mais... Enfin, j'espère juste que vous prenez pas trop ces lives au sérieux, parce que moi, à la base, je fais ça pour m'amuser, quoi. Donc en vrai c'est super gentil de vouloir m'aider. Hein. Mais juste faut pas mal le prendre si je vous dis que je préfère jouer à ma manière. Je sais que des fois les gens peuvent très mal prendre les choses très vite. Pour rien et... Le plus gros problème de l'être humain c'est qu'il n'arrive pas à communiquer entre eux. Et moi-même le premier étant... Un bon moment avec Dada, oh, Emma. Mais Emma si tu viens sur Paris on irait faire des choses. Je t'emmènerai dans tous les coins de Weeb. T'achèteras des figurines de tes... de Symphogear, tu seras content. J'aime bien parce que Chappie lui a tiré dessus en disant « Essaye d'éviter ça !» Alors, il a même pas bougé, il l'a évité. Dites-vous bien ça, il l'a évité sans bouger. Ok, vous voyez, pour le moment, on est au moins 3. Ça se passe plutôt bien. L'être humain n'arrive pas à communiquer avec ses semblables et ça donne trash. Trash la chaîne. Alors. C'est vrai que j'ai des B au rang. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger ma place avec Ptera. Ah, mais Ptera, il est en sous-level. Bon, c'est pas grave. Après, le problème de Trash, je pense même pas que c'est qu'ils arrivaient pas à communiquer entre eux. Moi, on revient sur le drama Trash. Mais putain, le truc qui date. Moi, je pense surtout qu'ils avaient pas envie de communiquer entre eux. Parce que... A mon avis, ils auraient très bien pu régler les problèmes qu'il y avait dans leur team s'ils en avaient réellement envie. Mais c'est juste que ça les intéressait pas. Parce que bah, chacun voulait partir de son côté et ils en avaient marre. Et puis d'un côté, c'est compréhensible. Hein. Quand tu vois que t'arrives à vivre convenablement seul, avec un salaire plus que convenable d'une chaîne YouTube, et que tu te forces à rester dans une chaîne YouTube... Ou qui est contrôlé par un mec au-dessus de tout le monde, que t'as pas le droit de changer ça, et qu'il te donne un moins bon salaire que lui-même, alors que lui, il fait que parler sur les vidéos, alors que derrière, il y a des mecs qui se font chier à faire le montage. Ah oui, excusez-moi, mais à un moment, faut se remettre en question, et faut se dire, moi, je me casse, hein, j'ai pas envie de discuter, je veux juste... Ah, la fulgure, elle est là. Ils sont pas censés tous mourir, là? Ils sont censés tous mourir? Ah si c'est bon. Ah par contre y a pas d'XP hein, ça. Ah il peut y avoir dans la maison de monstres des Pokémon qui sont pas considérés comme faisant partie de la maison de monstres. Et c'est pour ça je pense qu'ils ont survécu. J'ai trouvé quoi là? Une orbe résurrection. Oh ça c'est stylé. Ah ça c'est très bien en vrai. Mais putain mais attends mais ça se passe beaucoup trop bien là. Comme quoi j'ai bien fait d'acheter la Fulgure Orbe. Par contre le problème c'est que si je retombe sur une maison de monstres, je serais pas le fier. Hein. Je me rends compte, vous aimez bien qu'on parle de drama hein, sur ce live. Ah là là, bande de saligots. Hein. Merde, je voulais pas attaquer lui. Oh le con.
Mais pourquoi t'attaques lui? Obéis-moi! Mais... Je lui ordonne d'attaquer le plus à droite, il attaque les autres. Bon, c'est pas grave. On va changer d'étage. D'ailleurs, il y a un mec qui a une chaîne YouTube où il fait que parler de drama et... Et j'aime pas cette chaîne, d'ailleurs. C'est pas contre le mec spécialement, mais... Oh, je trouve ça angoissant la manière dont il parle. Par contre, j'ai pas le pseudo du gars. Mais dès qu'il y a un drama sur YouTube, putain, c'est le premier. Hein. Alors lui, il est toujours chaud. Je sais plus son pseudo. Bah écoute, c'est pas pour rien que... Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ouais, ça c'est vrai. C'est... Franchement, ce dicton, il est putain de vrai. Pire type de chaîne. Mais vous savez qu'en plus, moi aussi, je voulais... Enfin, pas perdre un drama. Enfin, en fait, j'avais envie de... D'ailleurs, je pense que je la ferai quand même un jour. Faut juste que je trouve la motivation. Mais j'avais envie de faire une vidéo pour parler d'un drama qu'il y a eu sur Internet. Mais c'était pas d'un drama YouTube, c'était un drama dans, dans l'univers des mangaka. Parce qu'il y a eu le mangaka de My Hero Academia qui avait, dans son manga, donné à un personnage qui faisait de la modification corporelle, je crois, sur des personnages. En fait, il avait donné son nom au nom qu'on donnait aux gens qui avaient subi, justement, des tests pendant la guerre. Mais je sais plus, j'ai plus l'histoire en tête, mais je voulais faire une vidéo pour parler de ça, parce qu'en vrai, je trouvais ça rigolo d'en parler. Et parce que cette histoire avait quand même une finalité à la fois positive et à la fois négative. C'est ça qui est triste, en fait. Parce que, en fait, moi, je me suis dit, mais cette histoire, ça va faire un flop, quoi. Les gens vont pas en parler. Enfin... Quand je dis que les gens m'en parlaient, je voulais dire l'auteur ne va jamais réagir dessus. Et en fait, il se trouve que si. L'auteur de My Hero Academia a réellement réagi à ce drama. Il a réellement donné une réponse aux gens qui se plaignaient de ça. Et figurez-vous justement qu'il a fait une réponse en s'excusant, en disant qu'il n'avait pas fait ça volontairement, que c'était même pas voulu dans le sens du prénom du scientifique, et que du coup, il allait être changé. Et vous savez quoi? Malgré ça, il y a des gens qui ont trouvé que c'était dégueulasse d'avoir fait ça, que c'était pas normal. Et t'avais une vidéo... D'ailleurs, cette vidéo-là, je l'ai téléchargée au cas où un jour je veux faire la mienne pour en parler. Mais t'as une vidéo d'un Américain qui est devant une poubelle et qui jette cet homme de My Hero Academia. Et je me suis dit, mais c'est irréel. C'est irréel, cette histoire. Mais ça, ouais. Voilà. Je vous dis, j'avais envie de faire une vidéo sur cette histoire. Parce que je pense que c'était un sujet intéressant, un mini drama, sans pour autant, voilà, en vrai c'est, voilà, il y avait des choses à dire. C'est quoi le drama sur My Hero Academia? Désolé, je l'ai pas entendu. Oh non, je vais pas tout répéter, Glissy. Excuse-moi, mais je vais vraiment pas tout répéter. Ah, tu vois, Glissy, si tu traînais plus souvent dans le Discord, sur notre Discord, dans le canal drama, tu saurais de quoi il s'agit. Parce que moi, je l'ai découvert grâce à ce canal, hein. Quelqu'un l'avait reposté. Juste le début. En gros, l'auteur de My Hero a donné un nom qui déplaisait à des Coréens qui avaient subi qui étaient devenus des rats de labo, en fait. Voilà, pour faire un... Pour pas rentrer dans le détail et pour t'expliquer vite fait. Et du coup, les gens n'étaient pas contents. D'une certaine manière... En vrai, moi, le problème, c'est que je me sentais pas concerné par cette histoire. Donc, je me disais, bah, ils exagèrent. Mais en même temps, je me disais aussi, ouais, mais je suis pas concerné, donc je peux pas savoir si, à leur place, je le prendrais mal ou pas. Du coup, bah, de loin, je me disais, c'est un peu ridicule de s'énerver pour ça. Parce que même si c'est voulu par l'auteur d'avoir donné cette référence, bah, c'est juste une référence, en fait. C'est pas forcément fait dans une optique négative. Prisonnier de guerre par les Japonais, voilà, c'était ça. Mais il me semble que c'était des Coréens. Mais je dis peut-être une connerie. Et du coup, voilà. C'était ça l'histoire. Attendez, j'ai pas besoin de manger encore. Ah! Bon, là, en vrai, le donjon se passe super bien, je suis content. On s'en sort, vous voyez, comme quoi. Bon, en vrai, c'est vrai que là, par contre, je suis un peu équipé par rapport aux autres fois où j'étais venu. Genre, je viens pas à poil. Oh, l'enculé. Par contre, quand il fait ça, il me titille un petit peu. Arrête ça! Oh l'enfoiré! Voilà, attaquez! Attaque! Tue-le! Ouf. Putain, mon gars, n'empêche, le jeu il est radin de ouf en XP. Hein, parce que Zorglob il est que niveau 22.
Le mec, il gagne tellement peu de niveau dans ce donjon. Ok, là, il y en a un qui dort. Ah, mais il y a l'escalier là-haut. Je comprends le pourquoi de l'énervement des Coréens, mais avec un Américain, j'achète les mangas pour ça. Je veux dire, il y a plein de raisons de jeter MH à la poubelle, comme par exemple le fait que c'est naze. Ah, Glissy. Glissy, je screen ton message et sache qu'un jour, si cette vidéo aboutit, je le placerai dedans. Ton message ne passera pas, voilà, je l'utiliserai. Il ne restera pas dans le néant, c'est ça que je voulais dire à la base. Oh putain! Sablette MVP, hein. Bonsoir, salut Kamesanine. Oh Kamesanine!